Mon asthme me laisse tranquille pour le moment. J'ai un inhalateur dans ma poche, au cas où. Suzanne Bowles, la mère de la dernière victime du tueur aux origami. Peut-être qu'elle pourra m'apprendre quelque chose sur les circonstances de la mort de son fils. Le bébé hurle et personne ne répond à la porte. Ça ne dit rien qui vaille. Quelqu'un ? Madame Bowles ? Salut, toi ! Eh ben alors, où est passé ta maman ? Oh, non ! Cette lettre, qu'est-ce que ça veut dire? J'espère qu'elle ne sait pas. Vite, il faut que je fouille la maison. Il n'est peut-être pas trop tard. Je m'occuperai du bébé plus tard. D'abord, retrouver la mère. Madame Bowles! Madame Bowles, vous êtes là? Madame Bowles, vous m'entendez? Réveillez-vous! Voilà, ça va. Elle a perdu beaucoup de sang. Heureusement que je passais par là. Je vais appeler une ambulance. Non, je... S'il vous plaît, je veux pas aller à l'hôpital. Ok. Vous avez de quoi soigner cette blessure quelque part? Oui. Je crois. Ok, bougez pas. Je reviens. Il me faut des bandages et de l'alcool. Elle doit bien avoir ça quelque part. Voyons voir. J'ai besoin de ça. Ça. Et ça. Je suis là, Madame Bowles. Ça va aller. Je m'occupe de vous. Restez avec moi, Suzanne. Suzanne, vous m'entendez? Suzanne, restez avec moi. Vous m'entendez? Restez avec moi. Ok. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Ça devrait stopper l'hémorragie. Heureusement, vos blessures sont pas trop profondes. Hé, comment est-ce que vous vous sentez? Mon bébé a besoin de moi. Attendez. Restez tranquille ici. Je vais m'en occuper. Ok? Vous savez... Comment on s'occupe d'un bébé? Je suis détective privé. Je sais tout faire. Elle s'appelle Émilie. Je m'en occupe. Bon,
La maman est tirée d'affaire. Autour du bébé. Je suis arrivé détective privé, et voilà que je me retrouve babysitter. Foutu métier. Salut, Émilie. Alors, c'est quoi ton problème? À l'odeur, je crois que j'ai une petite idée. Bon. Alors, comment ça marche déjà? Et voilà un bébé tout propre. Ça devrait aller mieux maintenant. Hein, Émilie? Hé, hey, qu'est-ce qui se passe? On a réglé le problème. Pourquoi est-ce qu'elle pleure? Je vais demander à Suzanne, elle me dira ce qu'il faut faire. Suzanne, j'ai changé sa couche, mais elle pleure encore. Elle a faim. Il y a un biberon dans la cuisine. Je m'en occupe. Je suppose qu'il faut faire chauffer ce truc. Alors, Émilie, tu as faim? Attends. Je vais pencher doucement le biberon pour que tu t'étouffes pas, ok? Bravo, Émilie. On dirait que ça va mieux. Maintenant, je vais te bercer tout doucement. Comme ça, tu vas bien t'endormir. Ok? C'est parti. Bon, il n'y a pas grand-chose de plus que je puisse faire. Pauvre gamine. La vie va pas être simple pour elle. Merci de vous être occupé de mon bébé. Je ne voulais pas la laisser. Mais c'est tellement dur en ce moment. Pas à me faire à l'absence de Jérémy. C'était un gentil garçon, vous savez. Je ne comprends pas pourquoi on lui a fait du mal. Vous vous occupez du bébé toute seule? Le père de Jérémy ne vit plus avec vous? Il a disparu. Le lendemain de la disparition. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Peut-être qu'il n'a pas supporté. Depuis, je suis seule pour m'occuper d'Émilie et je n'arrive pas à m'en sortir.
Je comprends. Est-ce que votre mari a dit quelque chose avant de disparaître? Est-ce qu'il a laissé une lettre ou quelque chose? Non. Il a quitté la maison sans un mot. Il y avait juste ce téléphone. Le téléphone? Ouais, j'ai retrouvé un téléphone portable caché dans son armoire. Je suis sûre qu'il n'était pas à lui. Je ne l'avais jamais vu avant. J'ai essayé de l'allumer, mais il ne fonctionne pas. Et vous l'avez encore? Oui. Il est dans un tiroir, dans le salon. Vous pouvez le prendre. Je suppose qu'il vous sera plus utile qu'à moi. Vous avez de la famille ou quelqu'un qui peut vous aider? Oui. Ma mère. Je ne voulais rien lui demander. On ne s'entend pas très bien. Mais je crois que je vais mettre ma fierté de côté pour un temps. Prenez soin de vous et d'Emily. Oui, je vous le promets. Dans un tiroir, dans le salon. C'est bien ce que Suzanne a dit. Salut, Émilie. Occupe-toi bien de ta maman.